your touch, and I will show you just one's enough. Our blood is flowing now, but no. Hey, je suis MPU, je vous ai pris aujourd'hui, je vous ai juste filmé vite fait parce que je suis en train de, genre, de m'occuper de pièces pour l'entreprise de Kylian. Je sais même plus si je vous ai dit bonjour ou pas. Bref, on est le 7 juillet, si jamais je vous ai pas appelé jusqu'à présent. Là, c'est ma bouffe du midi, il est genre, je crois 14h. J'ai pas hyper faim, donc du coup, je suis juste fait du melon jaune, melon d'eau, je ne sais pas comment vous appelez ça comme ça, voilà, je ne sais plus parler. Du melon classique, et puis je me suis fait une petite boule de mozza. Voilà. Parce que j'ai pas très très faim. Et du coup, là, j'ai décidé de me faire mon petit masque aujourd'hui. Et dans les cheveux. Hein. Et j'attends mon colis pour la boutique. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas à quelle heure il va arriver. Normalement, il est censé arriver aujourd'hui, mon colis. Donc j'attends. Et là, je vais vous montrer le dawa que ça a été. Il faut que je fasse une machine et tout. J'ai la flemme. Je vais rentrer simple parce que monsieur veut rentrer. Aujourd'hui, il fait encore un temps de merde. Moins horrible, surtout avant-hier. Pareil, hier, c'était moins horrible. Ouh, attendez, je vais surveiller ça parce que lui va aller bouffer ma mozza. Par contre, en vrai, je suis vraiment trop contente de moi que hier, j'ai réussi à faire tout le tri vraiment en une journée de toutes mes fringues, etc. Du coup, j'ai retrié, j'ai quand même enlevé, je pense, peut-être une dizaine, je pense, de vêtements. De toute façon, à chaque fois, je refais du tri. À chaque fois que j'échange l'été avec l'hiver avec l'été, etc. À chaque fois, je refais un tri. Même parfois, je refais un tri juste comme ça, sans forcément quand j'échange, mais très souvent, je le fais dans ces moments-là. Du coup, je suis vraiment contente. Là, je vais aller faire pipi. Ça vous intéresse? Ouais, je pense que ça vous intéresse grave. Il faut que je lave le sol. J'ai la flemme, n'est-ce pas mon bibi? Allez, go shot. Je me fais dans la bus, c'est un truc de ouf. Bonsoir. Bon les gars, mon colis n'est toujours pas arrivé. Je sais pas quelle heure il est exactement. 15-16h. Je sais pas. J'ai pas regardé l'heure sur mon téléphone avant. Du coup, bah, je peux toujours pas aller me doucher, bien évidemment. Parce que ça, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. C'est que je vais me doucher pile quand j'ai une livraison. Donc maintenant, genre s'il faut pas que je me douche toute la journée, de toute façon en général je me douche genre en fin de journée, donc de toute façon c'est pas très grave. Enfin ces derniers temps, parce que sinon en général je préfère largement me doucher genre avant de commencer ma journée. Mais là vu que j'attends un colis, voilà, qui disent que je peux recevoir, je crois que c'est entre 9h et genre 18 ou 19h. Du coup ça, toute la journée je dois être là comme ça. Attends. Là, dans ma to-do list d'aujourd'hui, j'avais mis vider poubelle bio. Non, mais oui, je fais toute une liste. Hein. J'avais mis vider poubelle bio. Ça, c'est fait. Il faut juste que j'ai préparé ça, que j'ai tout mis dedans, etc. J'ai plus qu'à le mettre dans la poubelle. Là, ranger bureau, donc c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai rangé une partie hier. Mais là, je vais ranger, genre, mon bureau. Parce que c'est un bordel monstre. Ouh là là, excusez-moi. C'est toujours comme ça, de toute façon. Genre, j'arrive à le laisser ranger quelques jours et puis après c'est de nouveau le dawa. Je vais faire mon sport, je vais voir si je le fais ou pas, ou alors sinon je ferai le haut du corps parce que vraiment à cause d'hier je suis dans des positions de merde, etc. Je suis baissée, je suis restée par terre longtemps et tout. Les maux de dos, mon petit souci à la hanche, tout ça, j'ai de nouveau assez mal et il y a des moments où j'ai envie de crever. Et ça va, je peux quand même bouger, etc. Comme vous savez, il y a des jours où genre je peux même pas me lever, genre parfois pendant 24 heures tellement j'ai mal. Là ça va, mais voilà, le sport, je vais voir, je vais vraiment essayer, mais je vais voir. Bon, après, j'avais marqué masque cheveux plus shampoing, le masque qui pose depuis des heures. Enfin, je sais pas combien de temps, 2 heures, je crois. Voilà, le shampoing, je vais le faire après. Je note toujours, en fait, quand je fais mon shampoing, genre sur mon agenda, parce que comme ça, je sais vraiment quand est-ce que j'ai fait mon shampoing. Et vu que maintenant, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, sauf cas exceptionnel, je préfère noter. Donc là, je sais que c'est aujourd'hui, je vais me laver les cheveux. J'ai des trucs à faire, des papiers à remplir pour Laura, donc ça, je le ferai après. J'ai fait la machine, donc là, elle est en train de tourner. Il faudra que je l'étende. Je voulais du coup voir si le linge était sec que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus. Il n'est absolument pas sec. C'est le problème avec quand il fait un gros temps de merde comme ça, et il fait tellement humide que bah, ça met 100 ans à sécher, donc ça casse les couilles. J'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il y ait du soleil. Il ne veut toujours pas venir, comme vous pouvez le voir, je pense, à travers les rideaux. Voilà, c'est un pur bonheur. Vérifier la qualité des pièces qu'à place. Donc j'en ai fait une partie comme je vous ai montré, mais je vais continuer après. Je vais essayer de finir ce soir. Et laver le sol en bas. Donc ça c'est fait, je viens de le faire là. Donc voilà, allez, c'est parti pour ranger le bureau et passer un petit coup de prop aussi. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça. Hein. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing.
we got going. And you hold the strings without me knowing. Petite pause pour dire que en fait je me casse le cul depuis ce matin à attendre mon colis, à m'empêcher d'aller laver ma vieille tronche là, pour que je reçoive un message qui me dit comme quoi mon colis a été mis dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Moi je pense que oui, ça m'est d'accord, on se fout de ma gueule. Du coup je vais aller chercher mon colis. Non. Bon voilà, c'est rangé. Bon là, clairement ça c'est un gros dawa, mais il faut absolument que j'achète des petits trucs de rangement, des petites boîtes de rangement un petit peu jolies parce que j'ai envie que ça reste quand même joli et que ça fasse pas trop bureau, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, genre que ce soit pas moche. Donc il faudrait que j'achète des trucs pour vraiment genre des petits pots, des d'autres boîtes comme ça. Vous voyez, genre là c'est en fait à la base c'est une boîte à bijoux et je trouvais ça vraiment joli d'utiliser ça en tant que trousse entre guillemets. Clairement là j'ai trop de trucs, j'ai même ça, genre là il va falloir que j'utilise ces petits œillets là, vous savez, pour les classeurs, parce que j'ai un classeur du coup pro, enfin vraiment avec tous mes trucs pro par rapport à mon entreprise. Et clairement les feuilles se barrent en cacahuètes, genre je n'avais pas acheté ça depuis, je sais même pas, à mon avis, le lycée, même pas. Genre, je crois que j'ai pas acheté ça depuis le collège. Enfin, du coup, c'était mes parents qui achetaient. J'ai mes petites étiquettes New Hope. Là, il y a toutes les petits flyers New Hope que je mets du coup dans les colis. Là, j'ai les parfums, puisque je bosse pour une autre entreprise à côté de parfums. J'ai la petite bougie de nos fiançailles. Voilà, bref, et plein de stylos, plein de conneries. Là, les petits cadres. Ça, c'est une peinture que mon grand-père a faite. Je la trouve trop, trop belle. Et certaines personnes disaient qu'on avait l'impression de me voir en peinture. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je repose mon agenda. Regardez comme il est beau, mon agenda. Je me souviens plus, je vous l'avais montré. Il vient de chez Action. Il n'est pas trop beau. Sérieux, il est incroyable. Il est super grand. Du coup, je trouvais ça trop, trop bien, vraiment, pour tout écrire. Vraiment, quand j'ai des to-do list, je kiffe. Il est magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. La balance pour les colis, une petite lampe, encore une bougie, des fiançailles, de la moisissure. Regardez-moi ça. Non, mais on montre la réalité, hein. Regardez dans quoi nous vivons. Il faut que je relave encore. On n'a toujours pas parlé au propriétaire. Il faudrait vraiment qu'on en parle au propriétaire. Mais vraiment, on a un gros problème par rapport, en fait, à ce faux double vitrage. En fait, c'est un double vitrage, mais en gros, je vais pas l'enlever parce que c'est un des seuls qui tient. Mais en fait, il y a une vitre qui est rajoutée pour que ça fasse double vitrage. Il y a la fenêtre classique et il y a ce bout-là qui est rajouté avec une autre vitre classique. Donc, ça fait double vitrage. Sauf que le problème, c'est que dedans, c'est l'hiver. Donc, du coup, à l'intérieur, il va faire beaucoup plus chaud avec le chauffage. Et en fait, c'est une sorte de condensation. Enfin, je n'ai pas envie de vous dire de conneries, mais en gros, dedans, il y a plein d'humidité qui rentre dans les vitres et ça crée de la buée, tout ça, et donc plein d'humidité, et ce qui fait que du coup on se retrouve comme ça avec de la moisissure sur les murs, sur les fenêtres, sauf que c'est hyper mauvais pour la santé quoi. Et donc on a ça surtout dans cette pièce-ci et dans notre chambre, c'est vraiment les endroits où y en a le plus, et voilà, et puis ça fait dégueulasse et puis c'est mauvais pour la santé quoi, donc il va falloir que je renettoie. C'est plutôt pas trop mal parti dans notre chambre quand je l'ai enlevé avec l'éponge magique, mais ça part pas non plus à 100% quoi. Voilà, c'est une vraie merde. Bref, voilà les aléas de la vie quoi. Là c'est hop la couette que j'ai sortie du truc sous vide là, parce que on a de la famille qui vient ce week-end et du coup ils vont certainement en avoir besoin. On a la chambre d'amis sinon, mais genre il y a des enfants aussi qui viennent, donc du coup je pense qu'ils vont je pense maintenant, vu qu'ils sont plus grands, ils vont certainement dormir dans notre matelas clic-clac, je pense. Il faudra que je leur demande. Donc, du coup, j'ai sorti la couette au cas où. Et puis voilà quoi. Du coup, je suis contente. Là, ça fait du bien. Puisqu'en plus, j'ai pu ranger un carton. Bon, là, il y a un des cartons. C'est le carton du coup des choses qu'il faut que je vende. Donc, vous voyez, il est bien rempli. Hein. Voilà. Ça, je l'ai porté genre une ou deux fois.
Sylvain s'est foutu de ma gueule. Il m'avait dit qu'on avait l'impression de voir un astronaute foutu de ma gueule. Mais je l'aimais trop. Mais clairement, je le porte pas parce que justement, j'ose pas plus que ça le porter. En plus, c'est vraiment une matière. Enfin voilà, c'est simili-cuir. Donc, c'est hyper moulant. On voit vraiment toutes les formes à travers. Et en fait, avec la couleur, c'est encore pire quoi. Quand c'est noir, ça va. J'ai lui aussi. Sauf que lui, en fait, je sais pas, genre, je me sens pas bien dedans. J'en ai un autre que je porte très souvent, mais lui, je sais pas, je pense qu'il est pas tout à fait à ma taille. Du coup, je me sens pas très très à l'aise. Bon, il est presque 18h et j'ai enfin fini de vérifier les pièces pour Kylian. J'ai hyper mal au dos, là, c'est violent. Ça fait une heure là que j'ai vraiment mal de ouf. Il me reste encore quelques trucs à faire, dont me laver les cheveux et faire le truc que je vais faire pour Laura. Mais là, j'ai trop mal au dos. C'est horrible, quoi. Bon, je sors de la douche. Mais franchement, JPP, ma peau, j'en ai ras le cul. Enfin, j'avais une peau vraiment bien depuis un moment. Genre, juste de temps en temps, j'avais un bouton par-ci, un bouton par-là. Et genre, il y a, je sais pas, 2-3 semaines, j'ai commencé à avoir des tout petits boutons ici. Là, comme... Bon, là, je sors de la douche, donc j'ai plein de rougeurs, etc. C'est normal, hein, j'ai mis de la crème et tout. Mais quand je sors de la douche... toujours ça avec l'eau chaude, c'est pour ça que je n'en ai jamais trop chaud. Donc j'ai commencé à avoir des petits boutons là comme vous pouvez le voir. Et là, depuis, genre je sais pas, je dirais une semaine ou deux, j'ai plein de petits boutons que j'ai là. Et genre, j'avais ça il y a, je sais pas, deux, trois ans quand j'ai arrêté la pilule quoi. Et je sais pas d'où ça vient, j'espère que ça va partir parce que c'est en train de me gonfler. Du coup, je continue le lait de chèvre, etc. Mais là, j'ai commandé du coup chez Cattier. Donc Cattier, c'est une marque bio, visiblement, de ce que j'ai vu. C'est vachement bien noté. En fait, j'ai regardé directement sur Inky Beauty gommage parce que je me suis dit c'était bien parce que je fais rarement des gommages. En fait, juste je fais les trucs comme ça, diadermine là pour enlever les points noirs. Les espèces de patchs là, j'essaie d'en faire au moins une fois par mois. Ça va m'enlever les points noirs comme ça, mais par contre, ça m'enlève pas toutes les petites peaux mortes, etc. Donc j'ai pris un gommage de chez eux et c'est pas cher du tout. J'étais choquée, mais c'est pas cher du tout. Alors que c'est bio, je crois que c'est vegan, etc. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais c'est vraiment pas cher du tout. Donc j'ai pris ça, un gommage, donc c'est à base d'argile. Ils font plein de trucs à base d'argile, l'argile blanche, verte, rose, etc. etc. Alors je sais plus, le gommage il est à base de quelle argile, je me souviens plus. Je crois que dans les deux trucs que j'ai pris, j'ai de l'argile rose et de l'argile blanche. Parce que du coup j'ai pris un gommage et j'ai pris un autre truc. J'ai pris un autre truc, un masque il me semble. Et j'ai pris, si je dis pas de bêtises, j'ai pris aussi une eau micellaire. Je crois que je l'ai prise parce qu'elle était en promotion et elle est vachement bien notée. Et elle est mieux notée en fait que mon eau micellaire. Et donc moi, comme vous le savez, ça a fait... Bah, depuis toujours, depuis que je me nettoie le visage, que je me démaquille, etc. J'utilise ça. Donc c'est la créaline H2O de chez Bioderma. Et bah, tout simplement, j'utilisais parce que c'était ma mère qui l'utilisait depuis longtemps. Et donc du coup, forcément, bah, moi, j'allais pas m'acheter un truc. Donc j'utilisais le sien. Et donc, je me suis habituée à ça. Et c'est vrai qu'elle est bien. Bon, elle est notée 13 sur 20. Donc ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Et j'ai jamais eu de problème. C'est vachement bien. Ça démaquille vraiment bien. Ça ne me brûle pas les yeux. Ça me brûle pas la peau, enfin voilà, vraiment, c'est vachement bien. Et moi, je déteste les laits et les huiles, voilà, je déteste ça vraiment. Donc du coup, voilà, moi c'est vraiment juste des eaux, des maquillants en version eau micellaire quoi, que j'aime. Donc je me suis dit, je vais tester, si c'est mieux noté. Est-ce que du coup, peut-être que ma peau a besoin d'une nouvelle routine, etc., de nouveaux produits, je sais pas. Donc je me dis, peut-être que l'eau micellaire va changer quelque chose, je vais tenter. Et je pense aussi que je vais me racheter des cotons démaquillants. Parce que les miens, ils tirent la gueule de ouf. Et j'aimerais essayer d'en trouver des un peu plus doux. Donc je vais essayer de regarder ça. Du coup là, je vais laisser sécher mes cheveux comme ça au naturel. Je les ai brossés, mais j'ai pas fait en sorte genre de mettre vraiment un truc, un produit pour que les boucles viennent, etc. Parce que demain, du coup, là je les laisse sécher à l'air libre. Et demain, je vais faire les photos. J'espère qu'il va pas faire trop moche. Je vais faire les photos pour la boutique du coup, bah, pour les bijoux. Et je vais me faire les ondulations là avec les trucs avec 3 barres, là, les petites ondulations comme ça. C'est trop trop beau. Et je vais peut-être me faire une petite coiffure un peu sympa. Je vais essayer de vraiment, j'ai vraiment une idée de thème un peu photo, etc. à faire. Je pense aussi que je vais me faire les ongles. Genre je me suis pas fait les ongles depuis un an.
peut-être même plus, je sais même pas. Je me suis pas mis de vernis depuis 100 ans parce que ça me saoule. Il faudrait que j'achète du semi-permanent et que je fasse moi-même. Ça me gonfle en fait, ça part sinon au bout de 2 secondes et demie. Forcément, quand on utilise nos mains tout le temps, c'est plutôt qu'on utilise tout le temps, donc ça se barre et ça me saoule. Alors que c'est du vernis OPI en plus que je mets, mais bon, bref. Ça tient vachement bien sur les pieds. Mais parce que les pieds, on les utilise pas comme les mains, forcément. Donc, rien que le fait de déjà se laver les mains plusieurs fois par jour, voilà, ça abîme le vernis et donc ça se barre en couille et ça me saoule. Mais là, je pense que je vais le faire juste pour faire les photos et je ferai une petite coiffure sympa. J'ai essayé de regarder un petit peu des inspi sur Pinterest pour voir un petit peu le type de maquillage que j'ai envie de me faire. Je vais faire un truc assez coloré et tout. Enfin bref, de toute façon, je vous montrerai un petit peu les backstage en espérant. Voilà. Oh, il y a du soleil, mon dieu. Merveilleux, je sais pas si vous arrivez à voir. Incroyable, mais vrai. Bon, il est 21h. Je viens tout juste de finir le truc que j'avais à faire pour Laura, ça m'a pris genre une heure. Donc en fait, ma to-do list est presque finie. Bon, juste ce truc, j'ai pas fait de sport. Ça c'est pas très bien, mais écoutez, il faut écouter son corps aussi. Et vu que j'ai mal au dos, j'ai toujours pas appelé encore des kinés. Il faut vraiment que je rappelle des kinés. Mais bon, j'ai encore peur qu'on me dise je prends pas de nouveaux patients. Et j'ai plus qu'un truc à faire, c'est ranger le linge sec du coup qui est en bas. C'était le dernier truc sur ma to-do list. Voilà, qu'est-ce que je vais bouffer hein. Il fait froid ici. La betterave, tiens. Je ne mangerai pas de la betterave comme je voulais faire avec des carottes. Qu'est-ce que t'en penses, Bill? Mais par contre, j'ai toujours pas de rap. Bon, pendant que je fais à bouffer, je vais me mater des petites vidéos YouTube, je pense. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Voilà, j'essaie de faire vraiment des petits bouts de carottes. Justement, j'aime beaucoup les carottes râpées.